Bien le bonjour mon ami, euh, aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées mais auxquelles je ne peux pas répondre en vidéo pour des raisons que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Euh, C'est parti, je vous explique vite fait la, la genèse de cette vidéo. À la base je voulais juste faire une vidéo pour l'espace membre pour expliquer quel genre de questions est-ce qu'il faut poser pour que je puisse y répondre parce qu'on parce qu m'a posé des questions auxquelles je ne peux pas répondre en fait. Et du coup c'était pour prévenir euh, les membres et je me suis dit ouais non parce que... Dans le questionnaire, tout le monde peut poser des questions. Donc finalement, je vais le faire pour la chaîne. Et finalement, je me dis, bon, bah, tant qu'à faire, autant aussi répondre aux questions auxquelles je peux pas répondre, mais qui sont quand même bien posées, mais juste que je peux pas y répondre pour différentes raisons. Bref. Euh, en gros, voilà. En plus, j'ai voulu tourner euh, la vidéo avant que la nuit tombe. Mais genre, juste le temps que je mette les questions. La nuit est tombée. J'ai pas compris. La nuit tombe beaucoup trop vite. Vraiment. Bref. La première question. Bonjour, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre et je vais vous expliquer pourquoi. Là, en fait, je ne vais pas la lire en fait parce que c'est justement trop long et c'est pour ça que je ne peux pas y répondre parce que c'est beaucoup trop long et c'est beaucoup trop centré sur euh, une personne. Là, euh, je Josué me demande suis-je plus à INTP ou à INTJ. Je ne peux pas répondre à des questions comme ça pour deux raisons. Premièrement, je ne te connais pas. Je suis... Enfin... Enfin, je ne vous connais pas en fait et du coup, je peux pas vous dire euh, ce que vous êtes alors que, alors qu'on s'est jamais vu, on s'est jamais parlé. Je sais pas qu'est-ce que vous faites, euh, n'est rien. Euh, deuxièmement, je, enfin, même si je pouvais, je ne peux pas répondre à chacun individuellement. Tu vois, les questions dans le questionnaire, c'est vraiment des questions euh, pour lesquelles je pourrais faire des vidéos. Je vais pas faire une vidéo pour euh, est-ce que je, je, euh, je suis un INTP ou un INTJ, Tu vois, donc voilà, c'est une question qui est trop euh, longue, qui est trop spécifique sur une personne et qui est, et qui est et qui, voilà, et du coup, je peux, je, peux pas, je peux pas y répondre. On a deux questions de la même personne, de Louis, qui demande « Peux-tu parler de la sensation introvertie des EP ?» Très vaste comme question, tu, tu marques un point là, effectivement. Et tu as peut-être prévu d'en parler, j'aimerais juste un format comme la dernière fois, j'imagine, sur les ISJ et sur les fonctions. Euh, là pour est-ce que je ne peux pas répondre C'est l'inverse de je suis. Là c'est trop large en fait. La sensation introvertie chez les EP en plus chez les EP c'est aussi les ESP. Donc la sensation extravertie chez les, chez les ESTP qui ont sensation la sensation introvertie pardon chez les ESTP qui ont sensation extravertie comme fonction dominante je peux en parler hein, c'est pas un souci mais je ne pense pas que c'est ça que veulent veut dire je pense que c'était chez les ENP comme là ils parlent des ISJ je n'ai jamais, jamais fait de vidéo sur les IHJ non plus, c'était sur les IJ. Donc les INJ aussi étaient inclus. Comme il le dit lui-même, hein, c'est très vaste, c'est trop vaste comme question. Enfin, euh, tu vois, si la question c'est la sensation introvertie chez les ENFP et les ENTP, là d'accord. Mais la, la sensation introvertie chez les EP, c'est super vaste et c'est. Bon. Et c est, c est, en fait, il faut essayer de trouver un bon équilibre entre trop spécifique et trop large. Voilà. Et du coup, je ne peux pas y répondre non plus. Je peux parler de la sensation introvertie chez certains types, etc. Mais bon. Un, c est, c est, enfin, là, comme ça, c'est un peu compliqué de, de répondre. Salut Pierrick Salut Louis. Je voulais savoir, je suis un ENFP et je suis quasi certain d'être amoureux d'une ISTJ. Ah <laughs> Je sais pas. Si c'est comme ça pour tout le monde, mais peut-être que tu t'imagines du coup que du coup c'est compliqué. Est-ce que c'est comme ça pour tous les types et leurs opposés Pourquoi ça coince Là, une question encore très spécifique. Euh, toi spécialement et cette ISTJ spécialement, je ne peux pas dire, tu vois, mais euh, je peux quand même y répondre parce que j'ai fait une vidéo sur, euh, sur euh, les relations amoureuses dans le MBTI. Effectivement, on a tendance à être attiré par nos types opposés euh, parce que justement, ils ont des facilités là où nous on a des difficultés ils font facilement ce qui est compliqué pour nous et du coup il y a ce j'imagine hein, il y a ce sentiment de complémentarité qui se crée et du coup on est attiré mais c'est une attirance qui, est, qui, qui en général redescend assez vite parce qu'une personne qui est trop différente c'est quand même pas facile de vivre de, de avec il y a certains schémas qu'on pourrait voir dans les couples et les types MBTI mais en réalité c'est pas une question de ça tout ne peut pas être relié au MBTI et si c'est une personne faite pour toi, bah du coup peu importe son type, tu vois, elle sera faite pour toi. Faut pas se poser la question des types de personnalité quand on veut sortir avec quelqu'un. Si tu te rends compte qu'en fait c'est pas une ISTJ, tu vas quand même l'aimer. Si tu te rends compte que qu'en fait tu l'aimes pas, c'est pas parce que c'est une ISTJ. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est pas vraiment une question de ça. Et donc voilà, j'avais fait une vidéo sur les relations de couple. Mais donc voilà, pour cette question-là, c'est euh, ma réponse. Question suivante, euh, salut l'ami, bonjour Ma question est la suivante, je lis souvent le Reddit, euh, je crois que ça se lit subreddit, euh, le R là, le reddit subreddit mbti, je suis pas sûr donc je ne vais pas dire de bêtises, je vais pas me mouiller, je lis souvent le reddit r slash mbti. Et en lisant les commentaires, je rencontre assez souvent des gens qui parlent de la dynamique du stress au niveau des fonctions cognitives, notamment des loops dans leur inférieur où ils sont emprisonnés en phase de stress, genre FI in the grip of t enfin FI in the grip of TE ou des ou des gens skip leur auxiliaire. Tu pourrais éclaircir ces points-là J'ai un peu de mal avec ça. Merci. De rien. C'est qui Vanny <laughs> On va aussi avoir une question de Chocolat euh, juste après, rester euh, à l'antenne. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire en fait Pourquoi est-ce qu'elle est -ce qu y a là celle-là Là, là c'est pareil, il y a beaucoup de... enfin il y a plusieurs questions en une. Il y a notamment les, les loops, ce que, ce que les gens appellent les loops. Bon, ça c'est quelque chose dont on parle pas mal en fait dans l'espace membre. Parce que ce n'est pas des loops, c'est juste différents modes en fait. Ce qu'on appelle des modes, mais bon. Bref. Et la gestion des fonctions inférieures chez les types. Donc FI, enfin euh, un ISFP, enfin un, un IX, un IFP, voilà. Euh, comment est-ce qu'il va gérer la pensée extravertie euh, un, un ENP, comment est-ce qu'il va gérer la sensation introvertie Tu vois, au final, c'est ça la question. Euh, oui, je, je vais en parler, je peux en parler, et je vais en parler. Il faut essayer vraiment... D'être précis en fait dans les questions parce que là pareil je peux, je peux m'en inspirer pour parler d'un sujet intéressant Mais genre je peux pas répondre à cette question là précisément quoi Et là c'est un exemple de bonne question euh, C'est une question de Ousna qui, est, qui a posé plusieurs questions déjà et elles sont, elles sont intéressantes à chaque fois euh, Bonjour, bonjour Ousna J'ai vu votre dernière vidéo sur la plus grande peur des INJ est-ce possible qu'une catégorie d'INFP ait peur aussi des imprévus que des choses extérieures viennent perturber ce qu'elle est prévue Merci. Moi j'aime bien les merci avec un peu d'exclamation comme ça, ça me fait rire. Euh, là par exemple, c'est la version bien posée, en gros, de la question euh, du style là. Tu as là Ousna, pour parler, enfin pour poser sa, sa question. Est-ce que elle a dit bonjour Alors euh, moi je suis une INFP et j'ai parfois euh, euh, des problèmes euh, et j'ai aussi peur euh, des imprévus comme les ING. Donc, est-ce que tu penses que je suis une INFP ou une INFJ Tu vois, c'est pas ça sa question. C'est une question qui est euh, claire, qui est sur un sujet précis et qui est pas sur elle, sur sa vie spécialement. C'est sur les INFP, la gestion des imprévus chez les INFP par rapport euh, à la sensation extravertie et à l'intuition introvertie chez les INJ, etc. Bref. Donc voilà, ça c'est une très bonne question. Je, je, je l'ai mis pour l'exemple en fait parce que c'est parce que Ousna est une INFP donc j'imagine, je suppose que elle demande ça parce qu'elle aussi par exemple a peur des imprévus, etc. Alors que pourtant c'est pas une INJ Mais euh, là c'est une question effectivement bien posée qui est pas trop spécifique et à laquelle je peux répondre, sur laquelle je peux faire une vidéo contrairement euh, à une question comme ça par exemple qui est elle trop large et une question comme ça qui est trop spécifique et du coup je peux plus en parler euh, dans une vidéo. Quoi. Joseph, euh, il n'y a pas déjà une question Ah non, c'était Josué. Joseph, euh, bonjour, ma question est simple. Bonjour euh, Joseph, ma question est simple. En général, quand les gens disent ma question est simple, c'est que la question va pas être simple. Je connais la question, mais je reconstitue ma réaction quand j'ai lu la question. Est-il possible de changer de personnalité avec le temps ou du travail sur soi Des millions de timides sont devenus hyper sociables, ils ont techniquement changé leur personnalité. Je ne connais pas mon type donc je vais en choisir au oh pif. Euh, OK, j'ai rajouté une case je ne connais pas mon type. Première chose, deuxième chose, comment tu peux ne pas connaître ton type et être tombé sur cette chaîne en fait. Enfin, je sais pas, parce qu'en général, les gens ils passent un test, je sais pas où sur internet, sur testpersonnalité.com en général et seulement après ils s'intéressent au truc, tu vois. Toi c'est l'inverse, tu connais pas ton type mais tu es là et tu es intéressé par euh, le truc, tu poses des questions et tout. Donc c'est bien, c'est bien, mais c'est étonnant en tout cas. Passe le test, hein, passe, le test passe un test quelque part pour, euh, pour euh, connaître, pour avoir une idée en tout cas de ton type de personnalité. Parce que bon, tu auras le choix entre 16 personnalités. Nous, dans l'espace bon on sait qu'il y en a 512 des personnalités. Mais bon, bref, avec 16, c'est pas trop mal non plus. Euh, donc, la question, c'est une question à laquelle je peux répondre, mais j'ai déjà répondu dans une autre vidéo. Donc, j'y donc réponds là, euh, entre guillemets, vite fait, mais dans la FAQ. Donc, est-ce qu'ils ont changé de personnalité ouais euh, euh, oui, on change de personnalité, mais on ne change pas de, de, de personnalité MBTI en fait. On ne change pas de type de personnalité, on reste qui on est, on aura les mêmes fonctions, etc. Mais effectivement, on va changer dans notre euh, personnalité, mais au sens euh, vulgaire du terme, tu vois. Comme, quand on dit personnalité dans la vie de, de tous les jours, on ne parle pas du MBTI, on ne parle pas de fonction cognitive, on dit juste, ouais, j'aime pas sa personnalité parce qu'il est, qu est vulgaire ou je ne sais pas quoi, tu vois. Euh, donc effectivement, bien sûr, on évolue, on change beaucoup durant notre vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas changer, tu vas juste apprendre à maîtriser tes fonctions inférieures. Et par cette maîtrise de, de tes fonctions inférieures, tu vas faire certaines choses que tu ne faisais pas avant. Tu vas arrêter de faire certaines choses que tu faisais avant, etc. Donc effectivement, ta personnalité, euh, au sens euh, général, vulgaire du terme, effectivement, elle va changer, mais ton type de personnalité ne ne changera pas. Lui, il ne changera pas, et il ne bougera pas. Et ensuite, euh, des millions de timides sont de hyper sociables, et ils ont donc techniquement changé leur personnalité. Euh, ouais. Après, la timidité, enfin, c'est un très bon exemple parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont, enfin, étaient timides et qui sont plus timides, et pourtant, ce sont les mêmes personnes, tu vois, qui auront le même type de personnalité, bla bla. Euh, mais après, la timidité, c'est pas lié à un type de personnalité. Il y a beaucoup de choses qui sont pas liées au, aux personnalités. Hein. Les relations amoureuses, par exemple, c'est pas lié au, aux personnalités. La timidité, la confiance en soi, c'est pas lié aux personnalités. Euh, Est-ce que tu as un bon état d'esprit ou pas C'est pas lié aux personnalités. Ton intelligence, c'est pas lié à ta personnalité. Même si tu as INTP, j'avais un ami INTP. Donc, les INTP, ce sont avec les INTJ les plus intelligents, etc. J'avais un ami INTP. Je ne dirais pas son nom évidemment, qui était con. Vraiment, il était bête. Bon, après c'était mon pote, donc il ne devait pas être si bête que ça, à moins que je sois moi aussi moins intelligent que ce que je pense. Mais vraiment, parfois il disait des trucs, il faisait des choses, mais on se disait Mais t'es con, mais c'est pas possible. Et euh, pourtant, c'était un INTP. Donc, bref, en tout cas, il y a plein de choses comme ça qui sont pas liées euh, aux personnalités, la timidité, etc. C'est un bon exemple pour illustrer ce que tu veux dire, mais enfin, je précise juste euh, ça, c'est pas lié aux, aux personnalités. Mais effectivement, on va changer. On va changer euh, notre façon d'agir, etc. On va devenir plus mature ou moins mature. Hein il y a des gens qui qui, qui, qui décroissent avec l'âge euh, pour x ou y raison effectivement on va changer mais non la personnalité ne change pas en tout cas c'est pour ça que dans l'espace membre souvent ce qu'on fait c'est qu'on a des vidéos euh, qui datent d'époques différentes en fait souvent dans les cours je prends des vidéos je me souviens quand on avait un type de Dieu donné, par exemple j'avais une vidéo qui datait d'il y a genre 20 ans une vidéo qui datait de aujourd'hui et on voyait que il avait énormément changé, énormément évolué, mais que ses fonctions restaient les mêmes. Et enfin, dernière question de Tania qui demande Quelle est la différence entre un INTP et un INTJ Si ça s'était arrêté là, ça aurait été parfait. Sauf qu'il y a ça qui se rajoute, sachant qu'un INTP peut être dans la réalisation de ses théories. Euh, voilà, ça c'est encore un cliché. Enfin. J'imagine que c'est pour ça parce que sinon je vois vraiment pas c'est quoi le rapport. Mais c'est certainement à cause du cliché que les INTP ils procrastinent alors que les INTJ ils sont ils sont ils ont, ils ont un plan etc ils sont à fond certainement grâce à leur pensée extravertie parce qu'ils sont tournés vers l'action du coup parce que la pensée extravertie est tournée vers l'action. Je, je peux y répondre à cette question. Je vais y répondre d'ailleurs parce que final, c'est la même question que je suis et pose. Au final c'est c'est quoi la différence entre INTP et INTJ La question au final c'est ça. Je vois pas trop qu'elle... Quelle est la ressemblance entre les deux C'est comme les gens qui se demandent euh, quelle est la différence entre INFP et INFJ. Genre, enfin, ils ont euh, rien à voir, en fait. Mais bon, enfin, c'est certainement parce que je connais bien, etc. Donc, euh, ça me paraît évident. Mais si vous vous posez la question, c'est que ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc, je vais répondre à cette question. Comme on me l'a posé deux fois, en plus, c'est qu'effectivement, c'est une question que les gens se posent. La différence entre INTP et INTJ. Je ne sais pas trop comment est-ce que je vais traiter ça. Parce que comme je ne vois pas la ressemblance, en fait, du coup, j'ai du mal un peu à voir sur quel point est-ce qu'il faudrait que j'éclaircisse la différence entre les deux. Mais bon. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ slash consigne pour poser des questions auxquelles je pourrais répondre. Les autres questions, si tu ne vois pas ta question, c'est normal. C'est parce que je n'ai pas pris toutes les questions que j'ai. Parce que sinon, on aurait passé 300 ans. Et je les garde pour les vidéos. La seule question que je vais faire en vidéo, c'est celle de Ousna. Et c'est celle-là. Enfin, c'est celle, fin, celle de, de Tania et de Josué. Et je pourrais effectivement... Et répondre en vidéo en la modifiant un peu mais bon euh, voilà la nuit est tombée au fur et à mesure de la vidéo c'est de plus en plus sombre on se quitte donc dans le noir je vais faire un truc comme ça allez ciao les amis bye bye